Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Funk pour un nouvel épisode de Guild of Dungeoneering. J'ai bien envie d'aller faire la mimique. Ça sent l'idée de con, mais j'ai bien envie d'aller me faire la mimique. Donc, allons-y. Donc, il va falloir tout bourrer en attaque physique comme un gros tard. On est bon? Et ça, c'est le positif. Faut qu'on aille se chercher ça. Il va falloir qu'on aille se chercher ça. 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 Non, tu vas pas vers... Où t'es? Let's go. Ah, t'es connu. Attaque magique, certes. Attaque magique aussi. Et à partir de là, il va me ralentir
part sur un, je te ralentis. Je suis full staff ou pas? Non, je suis pas full staff, donc tant pis, je pourrais me taper un knoll. Un vieux knoll tout pété, ou genre un squelette de niveau 2, mais tant qu'à se taper un niveau 2, autant se taper un knoll. Ah. Avec un peu de pognon. Let's go. C'est de mettre un maximum de distance. Across the land from far and wide, they come to the guild and want to fight. Sad to see them sliced and diced, not only once, but twice and thrice. Alors voilà, Lilith était nulle. Elle était nulle pour la très simple et très bonne raison qu'en fait, j'ai pas pu avoir sur mon casque à chaque fois, j'ai pas pu avoir l'effet maximal sur mes cartes, ce qui faisait que j'avais des cartes beaucoup plus nulles pour aller combattre. Et que c'est chiant. Voilà. C'est chiant. Donc je pense que la prochaine fois, on va envoyer au suicide un chat, un homme chat. Un truc comme ça, là. C'est ça. Romidic, Battlescar. Ah oui, il commence avec le fire lui, fallait qu'on aille voir ça, ouais. On va aller se taper un donj de plus avec lui, parce que au cas où, il serait assez fort, on pourrait aller se cogner éventuellement la mimique, le boss mimique, mais on verra ça dans un autre épisode. Je vous remercie, c'était Knarfang. Attendez, je vous remercie, mais attendez, l'épisode a été court là, en fait, non, go, baston, en fait, go exploring, non, baston, en fait, nouveau donj, oui, non, pas cette merde, ouais, celui-là, ouais. Go. Nouvelle quest. Nouvelle quête. Il se passe des choses, hein, franchement. Rituel complète, c'est 10 tours. Il faut aller donc là-bas. Et pour aller là-bas, il faut tabasseras tout ce qu'il y a au milieu. D'accord. Et on va... Dans le doute, on va rush un peu. Et puis on va scaler ça aussi.
de la merde. Tu es de la merde. Ouais, squelette, c'est peut-être du niveau 2, peut-être pas non plus, hein. Bon, calmez-vous. Non, ça sera intéressant de voir si ce qu'on peut. Si on peut pas que ce soit la suite. Parce que le jeu veut pas que je gagne, hein. On est d'accord. Hein. Hop, je vais perdre. Vas-y, la petite araignée vite fait. Showtime. Hein. Le jeu pas très coopératif. Vas-y. La patate de forain, j'ai pas d'armure, on prend une armure. Allez, let's go. Plus de points de vie. Tu as décidé d'où t'allais passer. Tu as décidé que t'allais faire demi-tour. Je t'emmerde bien, tu vas aller dans l'autre sens. Voilà. Excellent. Tiens, regarde, il y a $1 par ici, espèce de con. Je peux lire encore, je sais pas. Jamais hein, dans 4 tours. Jeu de bande abruti de merde. Je ne peux rien en faire. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais je ne veux pas que je joue. We'll be right back.
Blade 3, Éviscération. File-moi ça tout de suite. Je vais en avoir besoin pour péter le machin. Ça y est, il est là, ton truc? Non, il est là dans un tour. Et bizarrement, maintenant, je vais pouvoir le rejoindre. Vie de merde ou pas? Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures pour décider si ma vie, c'est de la merde ou pas. De toute façon, à partir de là, je peux le rejoindre. Non, non, je veux peut-être ici. Non, tu veux pas? Un monstre de niveau 3, mec, c'est vachement tentant, non? Tu le dis pas? Voilà, exactement. C'est un blocable. Très bien, c'est un blocable parfait. C'est dérangé alors. Si ça touche, je perds une carte. Ça me fait chier. Une carte. Si ça touche, ça touche. Ça touche, bon ouais, je te pète la gueule. Sorry tale, a gory story. Another hero dies for glory. In the ground they rest the head. Dead, dead, dead. Donjon de merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais vraiment, vraiment donjon de merde. Genre un donjon où t'es... Genre t'as même pas genre un boss ultra dur à affronter. Juste t'es mort, ta gueule. Ta gueule, t'es mort en fait. Ah putain, le Darkest Dungeon quoi. Le Darkest Dungeon quoi en fait. Ah putain, en pire même, en pire. Parce que c'est un peu comme si tu faisais le donjon final. Et qu'au lieu que le boss soit juste trop fort, bah le boss, on disait, en fait, t'as 10 tours pour aller jusqu'au boss et l'affronter. Genre en mode, il est invincible. Et puis en fait, si ces 10 tours sont écoulés, bah c'est terminé, t'es mort, t'es tout court, en fait. Genre, il y a nos matchs. C'est dégueulasse. Bon, dis bisous, ton tube, à la prochaine.